Eh bien bonjour YouTube et bienvenue pour cette septième partie sur Dark Souls Remaster. La partie précédente, on avait fait 1h20, 1h30. Bon, c'était un peu... Voilà, j'avais envie de pisser, hein. C'était infâme, mais c'était une partie intense puisque j'avais réussi à tuer Orstein et Smoug. Assez rapidement en plus. Sixième try? Sixième try peut-être? Septième try, je sais pas. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Bonjour au gros chat hein, qui est là. Toujours d'attaque. Et puis du coup, bah, c'est parti. On doit aller aux archives du duc. Ce qui est une infamie, hein, parce que il y a des escaliers, il y a des mecs antisémites partout. Puis surtout, on se retrouve dans Citrailles. Bon, apparemment Canton Maf a compté. Ouais, les archives du duc, c'est antisémite, hein. Dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, c'est antisémite. Alors, du coup. C'est quoi, c'est un moustique ou c'est un moucheron, ça? Alors, là, c'est le machin. Anorlando, c'est là? C'est le septième trail, il me semble. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a les prisons, là, la prison. Il y en a un, il s'est pris la triplette, on ne l'a pas vu passer. Ah, j'ai mangé chocolat, c'est vrai. Et là, il n'y a pas un truc ici, il n'y a pas un boss. Bon, on va peut-être changer d'armure aussi, parce que, bon, c'est bien sympa les robes, là, mais... Ah, mais je suis lourd comme ça. C'est ça qui me saoule en fait dans Dark Souls, c'est que malgré l'anneau d'Avel, t'es quand même lourd. Si j'enlève les gants. Ah, évidemment, c'est le plastron qui. Faudrait un truc pas trop lourd, quoi. Fait combien l'armure 52. Faut un truc en dessous de 50. J'ai pas grand-chose en armure. Hein. Ah, la manette qui sent encore déco. Oh putain, mais non, mais ça c'est infâme ça. Je vais pas mettre ça du tout quoi. Voyons. Casque de gargouille. C'est moche. Manteau de sorcier peut-être? C'est infâme, en fait, y a rien qui va avec... Y a rien qui va, quoi. Ouais, je suis encore lourd, là, hein. Ça va pas. Ah. Comme ça, je suis pas mal, mais putain, j'ai une robe, quoi. Regarde la charge max et divise par 4 pour savoir à combien tu roules rapidement. Ouais, mais je vois ça où? Je vois ça où, la charge? Ah, 31. 126. C'est 126. Donc divisé par 4, ça nous fait... Du 30... C'est compliqué, putain. 30 quelque chose. 31,5. Ah bah tu vois, on y est presque.
Bah 31,5 ça me va, c'est pas mal. Le problème c'est que la robe est dégueulasse, donc faut mettre autre chose. 32, je peux mettre un truc de 30. Et bah voilà. Regarde. Mais non, mais là je suis lourd. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends. Là je suis lourd, là je fais une roulade qui me plaît pas. Ah non, le poids est à droite, 4. Ah oui, non, c'est pas le truc qui est... C'est pas 32 le poids. Ok, il me faut un truc à 4. Un truc qui est stylé, quoi. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, non, mais là, je suis déjà trop lourd. Après, il n'y a pas moyen d'augmenter ce qu'on peut porter. Re, il les a battus. Bon, écoutez, pour l'instant, ça, moi, ça me va comme ça. Comme on est, là. On a un certain style. On fait petit soldat sympa, tu vois. Ah, faut monter l'endurance. Putain, je l'ai bien monté, quand même. Putain, il y a eux, là. Faire venir un par un. Il y a des... En plus, il y a des mobs comme ça dans... Dans DS2, il me semble. Ils sont peut-être moins grands, hein. Oh, j'ai esquivé, putain. Maintenant, t'es quoi? D'accord. Oh putain! En deux coups? En deux coups, je les déboîte! Ah oui, d'accord. Ah, mais je suis. Je suis pas mal. Ah, d'ailleurs, l'espadon, faudrait peut-être que je le réaugmente. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai même pas été voir le forgeron de Dan Orlando. Ton sac fait le que dalle en poids, c'est le truc à mettre. C'est vrai que je peux enlever mon casque et foutre le sac pourri, que j'aime bien parce qu'il est drôle. Et mettre un truc... ouais, ça rend pas mal. Hein. Et mettre un truc à la con... Bah du coup, peut-être mettre des bonnes jambières, quoi. Jambières d'Avel, par exemple. Des bonnes jambières. Eh ouais, mais non. Ça, je pense que ça va être trop lourd, déjà. Ah, non. Ah, bah voilà. Par contre, les gants, du coup, je pense que je suis baisé. Ah, je suis à 30. Pff, si, il me faudrait des gants qui fassent 1,2 grand max. Ah, j'ai des gants, là, mais putain, ils sont assez moches, quoi. 1,4, 1,8. Ouais, voyons les gants moches. Bon, ça va, à la limite. On les voit pas trop. Donc... oui, va au forgeron. Oui, on va faire ça. Attends, je vais me faire le gros con avec ses pinceaux. Et puis... On va améliorer ce petit espadon là, des familles. Qui est bien cool. Ben vous voyez, je suis bien content en fait parce que j'ai réussi à me faire un stuff qui me correspond un peu mieux. Je suis pas resté avec la vieille clé mort comme j'avais fait à l'époque en mode copiage d'exerve. J'ai mon petit espadon. Vire le bouclier, ça pèse. Ouais, mais ça me remonte mon endu aussi. Hein. Donc non, je préfère rester comme ça. Je suis bien comme ça. Ah mais attendez, par contre, je peux pas me TP. Est-ce que je peux me TP directement dans la salle d'Orstein et Smoog? Ou est-ce que je suis obligé de tout me retaper? Parce qu'à la limite, je vais me TP, quoi. Parce que là, ça me fait repasser par... putain, ça me fait repasser par les... Oh putain, non, c'est l'enfer. Dites-moi que je peux me TP là-haut, quoi.
TP chambre de la princesse. Ah oh, putain, yes, merci. Ah, j'ai pas du tout envie de repasser les parasols et tout là. Oui, j'ai le calice, ouais. T'as pas ouvert la porte, donc oui. Ouais, ouais, non, mais oui. Alors, il faut que je revisite un peu cette zone. Je l'ai pas fait, cette zone. Donc. Petit ascenseur. Ils sont jolis, hein, les petits ascenseurs en marbre dans Dark Souls. Ah, la manette. Merci. Heureusement qu'elle s'est pas déco pendant Ornstein et Smoog. Hein. Parce que ça va, pour le moment, elle se déco... bon, c'est pas de couilles, mais elle se déco à des moments qui sont... Attendez, je regarde un truc. Je vois qu'on n'est pas du tout... c'est pas fluide sur le stream. Je vais peut-être faire une connerie, hein. Mais j'ai envie de voir si je peux pas me mettre en... Je peux pas mettre en 30 FPS. Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas si ça change quelque chose, si c'est mieux de votre côté. Peut-être. Oui, c'est la version remaster. Ah si, ça a peut-être bougé un peu, ouais, effectivement. On a peut-être gagné 2 FPS. Ah le bâtard. Bien wesh. Monsieur le ninja violet. What? Attends, il leur fallait deux coups. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? C'est pas les mêmes, genre? Ah, d'accord, bah je vais crever. Il se soigne en plus, ce PD. Hein. Non! Putain de saleté quoi. Bon mais il a pas l'anneau pour y aller sans la tuer pour l'instant. Si tu tues la pute au gros sein, t'as accès au nouveau boss direct. La pute au gros sein. Au niveau du shield, c'est zéro dégâts. Ah, c'est peut-être pour ça que ça a foiré, alors. Oh putain, le con. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Ah oui, bah oui, d'accord. Ah, j'ai dû taper sur le bouclier, en fait. Parce que là, oui, effectivement, ça va mieux. J'ouvrirai les portes, là-haut. Putain, en fait, cette zone, je la confonds trop avec celle de Dark Souls 3, là. Tout à l'heure, je me disais, mais c'est bizarre, il n'y a pas les mages qui tirent des boules de feu sur les marches et tout. Eh oui, c'est parce que c'est dans DS3, ça. Non, pardon, dans DS3. Go ouvrir la porte. Oui, oui, j'y vais de ce pas. On va du coup aller au forgeron direct. Et ensuite, on ressortira par le raccourci en bas. Et on se farcira les deux gros cons, là. Du coup, eux, je les ai pas tués encore. Pour ma fierté personnelle. Même si j'ai pas tué les espèces de diablotins volants, là. Ouais, y a pas la grosse araignée non plus. Moyen mémo technique.
Mnémotechnique dans DS3. Caca dans. Caca. Dans Dark Souls 1, parfait. Ah, j'aime bien aussi le côté un peu délabré de Dark Souls 3. Par contre, je suis déçu que ce soit. Que ça ait beaucoup changé à Norlondo. Oh, ça sent le truc ici. On va pas y aller. Juste faire le tour. Bon, il n'y a que dalle. On va aller voir le forgeron. Et après, je remonterai là, voir ce qu'il y a ici. Ça va, pédale. Modifier, non. C'est dans renforcer, oui. Oh, je peux pas? Ah, il me faut des titanites scintillantes. Ah oui, mais vous m'avez dit que je pouvais en acheter, non? Ah ouais. Plus 4, il m'en faut encore 2. Est-ce que j'ai assez d'âmes? Mon avis, non. C'est combien d'âmes, les titanites scintillantes? Putain, 8000. Ils s'emmerdent pas. Hein. On va voir si j'ai pas des âmes à bouffer un coup, là. Âme de Smoog, on s'en branle, non? Site caca, site parfait. T'as le coffre derrière le forgeron. Ouais, je vais me la prendre. De toute façon, je compte pas. J'imagine que c'est pour faire son marteau. Par contre, l'âme du golem, qui c'est qui m'a demandé... Salut, Tartatin. L'âme du golem, qui c'est qui m'a demandé de le... De la garder. À quoi ça me sert de la garder, en fait? Non, Smoog, plus grosse arme, Spé Force. Ouais, non, mais je veux pas prendre. Je suis bien avec mon petit espadon, là. La hache du golem est super fun. Ok. Bon, écoute, pour l'instant, je la garde, mais si j'en ai besoin, je. Je le prendrai. Ah là, il m'en faut 4. Putain, par contre, là, c'est chaud. Fais voir. 8000, j'ai 10000, ouais. 4 x 8, 32. Oh, le one shot! Putain, mais elle est tellement pétée, cette arme. Elle déchire. C'est un chef-d'œuvre, putain. Oh là 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 là. Tellement de style. Alors par contre, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah. Ah, la salope. Prendre cet excellent item. Oh, un éclat de titatine. Oh putain, j'ai même pas fait mon exerf quand j'ai gagné. Attendez, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Et voilà, j'ai battu Urshtein et Smoog grâce à ma superbe épée que j'ai améliorée avec des fragments de titatine. Et ouais, des titatines. Voilà. Excusez-moi, hein, j'avais complètement zappé. Ah oui, j'ai dit que j'allais remonter en haut, voir ce qu'il y avait. Enfin, que j'allais remonter, parce que on ne monte pas en bas. L'espadon de bâtard. J'ai commencé à l'utiliser au papillon. Il s'est fait démonter en 4.
Ah mais l'espadon, mec, il décharge. Je sais même pas où je l'ai eu, gros. Hein. Je sais même pas où je l'ai eu. Ah, il y a un coffre derrière le forgeron. Eh bien, allons-y. C'est où? Un coffre. Ah ouais. Ah mais je peux pas l'ouvrir. Il faut que je le bute. Bah je vais pas le faire. Le délire titatine vient d'où? Ça vient d'Exerve. Mais du coup ils sont morts les frères Mickey. C'est qui les frères Mickey? C'est Orstein et Smoog. Ouais je les ai défoncés. C'est un chevalet noir qui te l'a filé. Putain, ça tue. Celui à l'anneau de pierre bleue. De l'autre côté. Drop fixe l'espadon. Non, tu passes derrière le géant. Faut pas le buter de l'autre côté. Ah, bah attends, déjà on va passer là. Parce que je suis curieux de voir ce qu'il y a ici. Je trouve qu'il n'y a rien du tout. Mais... Je suis curieux, eux, de voir. Oh putain. Attends, genre c'est pour aller là-haut? Non. Non. Sérieusement? Ah, j'aurais dû peut-être... Ah non, j'aurais dû aller par le haut, là. Ah oui, là, ça va pas passer. Tous les coups, je vais tomber. Eh ouais. Fucking shit! Non, c'est pas grave, on va retenter. Ah, la seconde corniche. Ouais. Attends, on va retenter. Du coup, je vais prendre le coffre en passant. Ouais, mais je... Ah si, ouvrir. Putain. Ouvrir. Anneau du faucon. Putain, je suis bloqué. Ah, putain. Voyons voir ce que ça fait, l'anneau du faucon. Augmente la portée de l'arc. Les gars, on s'en bat les couilles. Tu t'es planté, reset le speedrun. Ah putain. Bah, c'est quand même là que tu te dis que... Enfin, il y a quand même du respect pour les gens qui font du speedrun, quoi. Parce que t'imagines, là, tu te retapes tout parce que t'as fait une couille à la con. Bon, les mecs, ils jouent pas comme des attardés mentaux aussi, hein. Faut quand même le savoir. Un arc. Hop. Bon. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près toute la zone. Il y a quand même 2-3... Il y a 2-3 merdes là-bas qu'on n'a pas prises, mais... bah les couilles, hein, c'est bon. Enfin, je crois. Hein. Ça se trouve, on a tout pillé, là, mais... Il doit y avoir 2-3 merdes que j'ai pas fouillé là-bas. Salut, salut, Mathieu J. White. Fidel. Comment ça va, mec? Bon, t'es bien rentré, alors, ce que je vois. Bon, mec, je viens de niquer Orstein et Smoog. C'est dommage. Putain, attends. Il y a le son qui s'est... What? Il y a le son, genre, du vent qui s'est coupé d'un coup, quoi. C'est un arc qui tire des missiles balistiques. Ah, c'est pas mal. C'est pas un arc, c'est The Arc. Faut que tu poses le calice, sinon tu pourras pas accéder aux archives. Faut que je le pose où? Le calice. Même pas dans le mal le lendemain. Putain, bien ouais. Le serpent. Ah, attendez, faut m'expliquer. Je peux pas aller aux archives là. C'est peut-être pas maintenant les archives alors. Faut peut-être que j'aille me faire sif avant. Ah, faut que je retourne à l'Ichefeu, d'accord.
Calice, faut le dire avec l'accent québécois. Je m'en calisse. Téléportation, sanctuaire de l'icheveux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le dragon dégueulasse là qui fait bader là. Alors du coup, on va peut-être aller se faire sif avant. Avant d'aller aux archives. On va aller se faire sif. Ah mais du coup, il me faut 20 000 pour acheter le médaillon à la con dans la forêt. Non mais je me souviens pas. En fait, la deuxième partie du jeu, je m'en souviens pas du tout quoi. Mais ouais, le calice, c'est pas pour... C'est pas pour mettre les âmes des boss à la fin. Je me souviens de ça. Ce qui te permet d'ouvrir la... le passage pour Gwyn ou Gwen. Ah, il va me gober. Oh. Tu peux passer par l'hydre, c'est gratos. C'est bien, tu te dis, quand il refait un jeu, il le redécouvre. Ah non, mais grave. Et pense à vendre la pièce d'or argent au serpent. Ah, grave, carrément. Ok, ok. Tu peux passer par l'hydre. Qu'est-ce que je fasse vers l'hydre? Je peux passer par l'hydre au lieu de, d'acheter le médaillon qui ouvre le truc dans la forêt? Alors attends, faut que je fasse quoi là? Là, ah oui, faut que je mette le calice ici. Non? Ah oui, c'est ça. Oui, et après, c'est là qu'il va falloir foutre les 4... non, combien il y a d'âmes? Il y a le dragon, il y a Nito, il y a les 4 rois, je crois bien. Puis c'est tout? Ou il y en a peut-être une quatrième âme, âme. Tu peux accéder à Sif sans payer. Ah ouais? Ah, je savais pas. Ah, mais du coup, on n'a pas accès au feu à côté de lui aussi. Sif et Thief. Thief. Nito, Izalis. Ah oui, Izalis, c'est vrai. Izalis, c'est quoi? C'est le... l'arbre à la con, là? Oh, putain, j'avais zappé ce boss. Oh la vache, j'avais zappé cette zone, mais complètement, quoi. Ah oui, mais alors, du coup, j'en ai niqué aucun de ceux-là. Neto... Ah oui, l'hydre, tu peux la tuer même. T'as un PNJ qui apparaît après, non? Ouais, je l'ai déjà tué, l'hydre. Je l'ai déjà buté, cette pute. Cette vie. Faut tuer le golem d'or. Golem d'or? Tu as besoin d'acheter le médaillon, sinon... on pourra pas ouvrir la porte pour combattre Sif. Bon, écoute, c'est quoi? Je vais quand même acheter le médaillon. Alors. Médaillon solaire, je peux les vendre aussi? Salut Metal Geek, comment ça va? Le boss, la décharge à Izalith, tu le feras legit ou pas? Le bug est fixe? Je sais pas de quel bug tu parles, mec. Ok, je vends les médaillons solaires, alors. Putain, ça vaut 600, ça vaut que dalle. Ok, j'ai 36 000 balles, donc c'est parfait. Je me dis... bah ça va très bien, mec. Je me dis, à la limite, ça pourrait être cool. Est-ce que je peux pas améliorer encore mon putain d'espadon, là?
Je réfléchis. Je crois qu'il faut 4000 ou 2000. Et en plus, 4 x 8, 32. 4, 5, 6. Ah, je peux peut-être améliorer mon putain de d'espadon, les gars, encore. Ah non, bon, on va y aller comme ça, on va y aller comme ça. Allez. Par contre, Sif, la forêt, noire souche, ouais, il faut que j'aille là-bas. Est-ce que je peux me TP à un feu proche? C'est ça le truc. Fille du chaos, c'est quoi? Paroisse des morts vivants. Ça, c'est dans le truc de mes couilles. Il y a que fille du chaos qui pourrait être ça, mais... Bonne nuit, Sim18. Tu tapes déjà comme un porc, t'inquiète, sinon tu vas rouler sur le jeu. Ça fait plaisir que tu fasses des lives régulièrement, poteau. Bah, mec, ça me fait kiffer aussi, mec. Surtout que j'ai les moyens de le faire, donc j'ai les moyens de le faire. Ah, fille du chaos. Ouais, non, bah laisse béton. Allez, on va aller sur Sif, on va passer par la paroisse. Oui, je pourrais me TP à la paroisse, cela dit. Mais je suis même pas sûr de savoir où c'est, la paroisse. Parce que je confonds, en fait. Je confonds avec le feu qui est vers la forteresse de Seine. Vers André, là. Et le feu qui est... là où il y a l'échelle pour remonter au pont où il y a le dragon qui crame les mecs, là. Mais bon, là, c'est à côté, donc autant y aller. Et pour aller tuer la Ciseless. Salut, Lightning CK. Excusez-moi, d'après le wiki d'Emblème Artoria, c'est optionnel, désolé. Tu essayes d'imiter Hooper. C'est-à-dire... Parce que je joue à Dark Souls. Ah oui. Ah bah ouais. J'essaye d'imiter Hooper. Et tu sais, j'essaye d'imiter Hooper aussi parce que je suis un être vivant. Oh, calme-toi, putain. Bon, du coup, on va passer par l'hydre alors. Qu'est-ce que vous en dites? On va passer par l'hydre. On va pas acheter le putain d'emblème à la con, non. Quoique ça fait quand même un putain de raccourci. Hein. Parce que après, par l'hydre, il n'y a pas de feu hein, à proximité de l'hydre. Ouais, non, si, on va l'acheter. Vas-y, tant pis. Tant pis, parce que sinon, on va mettre 15 ans si on crève avec devant Sif. Fais gaffe, t'as 37 000 âmes. Ouais, bah tiens, regarde. On va acheter l'emblème. Voilà. Allez, hop. Nickel. Passe par derrière, les âmes. Allez, go. Alors, on va voir les dégâts de l'espadon. J'ai hâte de voir ça. Parce que eux, bon... D'accord, ok. Génial, chef-d'œuvre. Je crois que j'en ai entendu un derrière moi, non? Non, c'est bon. Je sais pas si... T'as déjà réparé ton stuff. Ah oui, c'est vrai. J'y ai pensé, mais là, j'y pensais plus. Effectivement, ouais, il faut que je fasse ça. Il est très très bon cet espadon là. Franchement très content. Hein. Très très content. Une balade le jeu avec cette arme en début. Ben, on va voir avec les gros boss genre les 4 rois et tout.
Là, je peux pas réparer mes objets, hein. Il faut que j'ai un truc spécial. Ouais. Il faut que j'ai la... une boîte ou une connerie. Bon, je le ferai après Sif. Ah putain, cette zone, je me rappelle, j'avais fermé comme un porc. Et là, du coup, on va pas le faire, ça ne sert à rien. On est déjà très très bien. Oh lolo lolo. Mais attends, mais t'es sérieux? J'étais derrière lui, il a même pas backstab. What the fuck, quoi. Au point et à poil. Il a tué Orstein et Smook first try. Qui ça? Hooper? J'arrive juste... Quelqu'un pour me narrer les exploits de Cid, le Québécois de Bourgogne. Ah non, tu parles d'Orshan et Smoog. Ouais, je les ai first try, ouais. Je les ai first try. Tranquillement. Tranquillement. J'y suis allé avec les points, là. Tu sais, les... Tranquillement, quoi. Paye pas de mine. Bon, attends, je vais essayer de le contrer. Voilà. Allez, ça dégage. Putain, 3000 celui-là. Ah la vache, ils ont augmenté, hein. Avant eux, oh le bâtard. Avant eux, ils donnaient 2000, je crois. Ah mais lui il fait des sorts. Il a pas de truc au cac lui. Bah te barre pas. Allez, reste-toi, mon pote. What? Ah bah oui, quand même. Quoi? Bah... Allez! Eh bah putain. On est bon? Tranquillement, à base de tranquillade. Les cestes. Ils sont combien, les mecs? Mecs, ils sont 1 milliard dans cette forêt. Il y a 1 milliard de négros. Ça va, chaton? Sif, c'est par où là? C'est par là? Je me souviens plus où c'est. Non, c'est pas par là. Je crois pas que ce soit par là. Attendez, 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 attendez. Y a pas un truc en contrebas ou je sais pas quoi? Parce que là, y a les putains de champignons là. Dans mes souvenirs, c'est tout droit. Hein. Mais peut-être pas, en fait. Ah, si, c'est là-bas. Je vois un écran de fumée au loin. Et voilà, c'est en contrebas. Il n'y a pas un feu à proximité, là, les mecs? Tu peux augmenter la luminosité, on voit que dalle. Bah non, moi, je vois que... Enfin, je trouve que tout va bien, mais je peux le faire. Hein. S'il te plaît, aussi, Cottonmouth, ça peut être sympa. Là, c'est à fond. Hein. Je peux pas faire mieux.
Bon, alors Sif, je l'ai niqué qu'une fois à l'époque, et en mode pyromancie. Hein. Donc on va voir. On va voir si je suis. Si je m'en sors. Best boss du jeu, les gars. Best boss de tous les Souls, d'ailleurs. Il est tellement classe, putain. Oh, putain. Ça commence. Esquiver, hein. Ouais, le soin, mec. Ouais, mais je me soigne, mais il soigne pas, ce con. Ah, oh, c'est con. On va le tuer first try, quoi. On le tue first try, le bordel. Oh, sérieux, putain. C'est quoi cet espadon? Mais il est over-cheaté, quoi. Ah, c'est dommage, c'est le meilleur boss du jeu, clairement, le plus stylé, et c'est un cul, le bordel, quoi. Bon, bah, voilà. Putain, j'ai presque honte de jouer avec ça, quoi. Ah, oh, mais c'est ouf, putain, les dégâts de ouf, quoi. Bon, bah, on se casse. Au suivant, j'ai envie de te dire. 67 000. Je pense qu'on va retourner à Norlondo, parce que je pense que mon espadon n'est pas assez puissant. On va le augmenter un peu. Par contre, comment je remonte? Le best boss qui survit aussi longtemps que Pinwheel. Sif est très facile de toute façon. Bon, après, je fais le malin, mais ça se trouve, les boss du DLC, ils vont me déboîter le cul, donc... attendez. C'est par là. On aura quasiment pas exploré la forêt, en fait. En y réfléchissant bien. Il y a l'armure de l'Est. Par contre, dites-lui qu'il y a masse de trucs à ramasser aux alentours. Ouais, c'est le best boss dans le sens où il est trop stylé, mais carrément. Ouais, sinon, en termes de combat, bon, c'est... Et puis la musique. Voilà, la musique et puis le style. Il y a des trucs à récupérer dans les alentours, hein, vous me dites? L'armure de l'Est. Vas-y, moi, je suis chaud. Hein. Attends, je vais aller attaquer des petits champignons, là. T'as refait la zone du tuto ou pas encore? Je l'ai refaite une deuxième fois pour prendre l'anneau de ferrouillé et niquer le... Et niquer, bah, une deuxième fois le boss. Les champis qui prennent autant de coups que Sif. Il y a aussi une bague, un serment en plus de l'armure, non? Oh, attends. Putain, j'ai vu un truc bouger. Attention, quoi. Moi, je veux bien récupérer l'armure, mais...
C'est dans le coin, non? Ouais, j'ai refait le boss, Udio Style. T'inquiète. Là où ça s'effondre et que tu t'es en dessous, là. C'est quoi, ça? Oh la vache, c'est la première fois que je vois ça. Oh putain, les gros chats! What? Putain! Je crois que dans mon autre partie, je les avais... Oh! Je les avais jamais combattus. Ouais, par contre, deux, ça va être chaud, les gars, là. Ok, d'accord. Je veux bien être sympa 5 minutes, mais... on va vite se barrer, en fait. Putain, mais je peux même pas me soigner, quoi! Ah putain, c'est la zone avec l'hydre. Yes. Ah la vache, dans ma première partie, je les avais jamais vus, ces mobs. Je m'en rappelle même plus, quoi. Torres, Gwendoline, Pinwheel, machin discharge, en boss de la partie 1. C'est qui, Sizzless discharge? Je vois même pas, quoi. Il y a l'hydra aussi qui te reste à faire. Non, je l'ai fait, l'hydra. Sid massacre la faune locale, aucun respect pour l'environnement. Je l'ai fait, l'hydre. Ah, mais oui, on était passé par là. Je m'en rappelle. Regarde, l'hydre, elle était ici. Et maintenant, elle est dead. Ah oui, c'est la bestiole qui a... Oui, non, mais je vois. Je vois qui c'est, du coup. Le niveau de lave. Ouais, je vois ce que c'est comme bestiole. Bah non, mais on se le fera tout à la fin, celui-là. Quand on sera dans cette zone, justement. Gwendoline, j'ai jamais fait. Et Pinwheel, je vois qui c'est, ouais. C'est dans l'espèce de grosse tombe, là. Du coup, moi, je vous propose d'aller améliorer mon truc, quand même. Non, ou alors on se fait Pinwheel. Ouais, je sais ce qu'on va faire. On va se faire Pinwheel. Et ensuite, on retournera à Norlondo, j'améliorerai mon espadon et on ira se faire Gwendoline. Et comme ça, après, on ira aux archives. Libère Brunante du Golem d'Or, tant que tu y es. Faut que tu choisisses une des quatre zones de saut ou le DLC, alors. Pourquoi faut que je choisisse, mec? Non, faut que je peux faire tous les boss que je veux, gros. Non? Du coup... Est-ce que mon truc vous convient? 70 000 âmes, putain grave. Faut pas que je déconne, là. Merci de prévenir. Saute dans le trou, oui, tout à fait. Ah, le trou de l'hydre. Je vous fais pas confiance, les mecs. Je vous fais tellement pas confiance. Je sais que je suis un peu con, mais faut pas déconner. Hein. Pas à ce point-là, quand même, les gars.
Hop. Il faut avoir Pinwheel pour Gwendoline. Enfin, faut avoir un anneau que je chope là-bas. Et bah voilà, on fait ça. Ça m'aurait bien fait rire, mon Cid. Ah bah, je sais bien, hein. Mais non, je suis pas aussi con. Du coup, bah ouais, on fait ça. On retourne à l'Icheveu. Ah, la manette. Je me disais, j'arrive plus à tourner. On retourne à l'Icheveu. On descend aux catacombes, on se fait Pinwheel. En plus, je déteste les catacombes. Donc comme ça, on aura fait une petite partie. Non, mais en fait, je veux pas te parler, André. Je sais pas pourquoi. Ah si, je voulais réparer les armes. Tant qu'à faire. Et je peux pas acheter un kit de réparation. Voyons voir. Trousse de forge. Outil de renforcement des armes près du feu. Ça, c'est bon, ça. Demi lame. Allez, on se le prend. Ça coûte rien. Et on va réparer équipement. Hop. Et les armures. 6 âmes nécessaires. Le sac, est-ce que le sac il est réparable? Ah ouais putain. 93 âmes pour réparer un sac, putain vous êtes sérieux? Ah et le bouclier, merde j'ai zappé le bouclier. Voilà, on est bon là. Avec ce stuff, les catacombes, tu roules dessus, telles les roues squelettes. On va voir ça. Tiens, on va même se monter des petits niveaux. On va monter la force encore, tiens. Ouais. On monte la force. Et on va se TP à l'Icheveu, du coup. Et go catacombe. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de refaire ce Dark Souls, même si, bon, je crache quand même pas mal dessus. Et je dis souvent que c'est un gros jeu de merde quand je suis vénère, mais... Vous savez qu'il faut pas m'écouter quand je dis ça. Et la manette, putain, mais sérieusement, quoi. Putain, mais... Ça se trouve, j'ai un problème avec ma manette, elle a moitié pété. Hein. Pourtant, je l'ai pas jetée, celle-là, étonnamment. Donc, je sais pas trop où est le problème. Ah, tu joues à Berserk. Salut, Jill Valentine. Ah, Jill Valentine, il faut que je t'avoue quelque chose. Je crois que je suis amoureux de toi. Hein. Depuis Resident Evil, mon cœur chavire. Ouf. Ah oui, d'accord. First try. Ok, d'accord. One shot, les bordels. D'ailleurs, en parlant de Berserk, j'ai acheté les deux premiers tomes aujourd'hui. On verra un peu ce que ça donne. Tout le monde n'arrête pas de me poncer les couilles avec cette merde, donc là il y avait une offre. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, non mais d'accord, mais alors là, mais... Demi-god, hein. Demi-god. Alors par contre, attends, c'est par là? Ouais, c'est par là. Je m'en rappelle, putain, la première fois que j'ai joué à ce jeu. Je suis arrivé ici. Au tout début du jeu, je me suis dit, non mais c'est quoi ce jeu antisémite, quoi. Du coup, je me suis dit, on va arrêter d'y jouer. Et après, j'ai découvert Exerve et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est une des dernières zones qu'il faut faire. D'accord, merci Exerve. Et là, il m'a dit, eh ben de rien, c'était Titatine. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Non mais c'est mon beau... Vos pièges à la con, je commence à y être habitué. Hein. Oh putain, par contre, toi, je t'avais pas vu venir, espèce de saloperie. Bon, je sais pas si c'est par là. Je crois pas, d'ailleurs. Non, c'est pas du tout par là, en fait. Putain. Je déteste ça. Quand tu t'apprêtes à faire un coup... Ah, mais ils revivent, c'est con.
Ils revivent, d'accord. Donc faut se barrer en fait. Ah, il y a un feu. Putain merde. Oh putain merde. Mais cassez-vous. Ça c'est, je panique. Oh putain. Comment voulez-vous que je m'en sorte, quoi? Comment on les bute, les squelettes? Comment on les bute, les squelettes, les gars? Faut tuer le nécro. Ah, d'accord. Oh, les mecs, c'est des... Oh, le bâtard, il m'a contré! Bien, ouais. Les mecs, c'est des putains de ninjas, quoi. Eh ben dis donc. C'est la transpiration à force de stresser sur les boss. Ça, t'en fais pas, je comprends, je suis moi-même amoureux de moi. Amoureuse, tu veux dire. C'est la transpiration à force de stresser sur les boss. Putain, t'es con, je jouais à un jeu de rythme et j'entends titatine, j'ai perdu. Berserk, c'est du bien joué. Il a oublié qu'il ripop. Bah ouais, j'avais zappé, ouais. Je kiffe Dark Souls, c'est tellement frustrant que j'ai jamais réussi à en finir. Ouais, bah faut persévérer, quoi. C'est vrai que quand t'es pas trop patient... Moi, je suis pas du tout patient, étonnamment. Je les ai tous faits, quoi. Mais faut tuer le nécro... Tu vas le faire un jour en stream, Catherine Seed, peut-être. J'ai jamais fini, d'ailleurs, ce jeu. J'étais au boss de fin, je crois, et j'ai abandonné. Bon... On est ici. Alors attends, parce que je me souviens plus. Pousser le levier. Je sais plus ce que ça fait, ça. Ça a peut-être ouvert un truc. Ah bah oui, voilà, ça a ouvert la porte. Attends, je vais peut-être tuer les squelettes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Parce que sinon ils vont me suivre et ils vont casser les couilles. Bon, on va essayer de jouer safe. Parce que cette zone elle est antisémite. Et j'ai pas envie de faire de la merde. Ah. Donc là. J'ai pas eu les âmes des squelettes. Donc à mon avis, il y a un nécromancien dans le coin. Et il est là. Oh là 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 là. Mais casse-toi! Putain, le bâtard, il se barre, quoi. Tiens! Ok. Non, on va revenir là. Oh là 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 là. Gang bang land! Gang bang land! Wow. On est bon? On est bon. Bec de Corbin. Bec de Corbin. C'est chiant, pourtant j'arrive toujours assez loin, mais il y a toujours un boss pour me décourager. Rush le nécro, là, sinon t'en as pour des plombs. Oui, mais t'inquiète. C'est ce que j'ai fait. C'est bon. C'est cool les squelettes parce que on a quand même le temps de les voir pop. À peu près, hein, évidemment. Là j'entends courir. Chanter la connerie là.
T'es bien caché, toi. Grande dame de Zizi. Putain, en fait, tu tournes en rond, c'est assez, assez infâme, quoi. Je peux pas me faire Nito maintenant? Est-ce que je peux me faire Nito direct? Ou est-ce qu'il faut que je fasse d'autres boss avant? Parce qu'à la limite, on se fait Nito. Hein. Comme ça, les catacombes, on n'en parle plus. Parce que c'est vraiment une grosse zone de merde. Putain, je crois que je suis revenu au début. Non? Je crois que je suis revenu au début, les mecs. Ah ouais, ça nous fait revenir au début, en fait. Donc c'est pas par là. Ah si, là, peut-être. Ah ouais, ça doit être là. C'est quoi ces... Oh putain, c'est quoi ces merdes? What? Oh. C'est... What? Ah oh ouais, d'accord. On va rentrer, parce que... Oui, tu peux faire Nito direct. Franchement, on peut se le tenter, hein. Ou alors tu fais une arme divide, ça empêchera les squelettes de repop. Bah non, mais si je tue le nécro, en fait, ça va. Ah là, par contre, voilà, lui, il va repop. Alors, il faut rusher. Oh, putain. Il faut rusher. Hop. Ah ouais. Et là, ça va faire basculer le pont, non? C'est ça. Putain. C'est totalement ça. Ben moi je dis Gonito. Ah, il y a un queutard là. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh, le backstab du squelette. Moi je dis Gonito, les mecs. Fait quand même bien allumer le cul. Hein. Oh le bâtard, il est là, cet enfoiré de nécro. Voilà, c'est bon. Allez, ça dégage. Toute la fine équipe du 11. Allez. Putain, genre, je l'ai pas eu là. Allez, on est bon. El famoso Pat. Tellement hard la zone avant Nito. Bah, le truc dans le noir, là, j'ai des souvenirs assez infâmes de cette zone, effectivement. C'est pour ça, en fait, je préfère limite la faire maintenant, comme ça je sais que je suis débarrassé dans le futur, quoi. Ah putain, il y a encore un nécro, vous êtes sérieux? Alors attends, faut aller où là? Faut redescendre. Ah, il est là. Pédale. Pédale. Que dalle, mon gars. Backstab. Que dalle, mon gars. Frontstab. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un ninja, quoi. Un squelette de ninja violet. Alors... Oh putain. Oh putain. Attends. Ouf. Ah, fragment de titatine, c'est pas mal. Vous êtes sérieux, les mecs, là? Ah, attends, il y a un truc en bas. Oh putain. Oh lolo lolo. Oh, c'est horrible. Ah, mais oui, il y a le forgeron ici. What? Attends, pourquoi il y a une cinématique, là? Mais c'est pas le forgeron, lui? Pourquoi il m'attaque? Putain, il va m'attaquer? Ah non, il casse le mur. Spoil my...
Ah, ok. Je pensais qu'il allait me buter. Si, qu'est-ce qu'il me veut, lui? What? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, ils ont mis un feu ici. Ah, ils sont sémites. Ils sont sémites. Et donc ça, c'est le feu qu'ils ont rajouté, c'est ça? Wakata. Ben lui, du coup, il peut pas m'augmenter mon arme. Ah si, il peut. Par contre, j'ai plus de thunes, en fait. Ah, mais il vend pas de titanite scintillante, ce fils de pute. Titanite. Alors là, il y a les mecs avec les roues, je m'en rappelle. Voilà, c'est antisémite. Oh la vache! Attends, ils sont combien là, les gars? Allez! Ah, ça s'est débarrassé. Ah putain, on a un coup, je les bute maintenant? Excellent. Excellent, excellent. Bon. Alors, du coup, c'est par là. Je suis bien sur le bon chemin, les gars, rassurez-moi là. Je crois que c'est. En fait, je crois que c'est par là. Oh putain! Attends, parce que là ça devient du gros délire là. Il y a des roues partout là. Oh putain. Hop. C'est bon. Re mec de Dijon. New feu. Ah ouais, c'est pratique ça. C'est chez lui l'orage. Y'a de l'orage? Ah, moi j'entends rien du tout. Bon, en même temps j'ai le casque sur la gueule, mais... Je pense pas qu'il y ait de l'orage. On va aller voir par là. Oh putain. Lanterne crâne. Ah oui, c'est pour voir ça. Ah putain, attends, je crois qu'il y a un truc ici, non? Tu commences, Pinwell, go le rush comme un bourrin. Non, il a pété. Les mauvaises langues diront que les roues ne sont pas censées te donner des âmes. Ah, pas mal, pas mal. J'ai mis du temps à comprendre, parce que je suis un peu con, mais pas mal. Pas mal du tout. Je crois qu'il n'y a pas une épée que les speedrunners utilisent dans ce coin-là. Putain, mais... Ah ouais, ça doit être là. On va y aller. J'entends pas d'orage. Ben moi non plus. Y a pas une tombe dans laquelle faut se mettre ou... Bon. C'est pas gueulabou. Oui, c'est l'épée du serment de Nito. On va peut-être se retaper un petit coup au feu, là. Quoique. On va voir, on va voir. Putain, le vieux lag sur la roue, là, quand tu la tapes. Ah, c'est vrai que les squelettes, ça fait un peu tiep, quoi. Ah oui, c'est pinwheel direct.
On va voir, je me souviens plus trop de ce boss. C'est une épée hard discount. Bon bah, c'est chez moi l'oral, je regarde dehors et il y a des flashs blancs dans le ciel. Ah bah voilà. T'es sérieux là? Mais c'est quoi ces boss pourris? Mais c'est quoi ces boss pourris les mecs? Oh là. Ça me rend ouf là, putain. Masque du père. Non mais sérieux, ça fait tiep hein. Comment on remonte d'ici là du coup? Attends, il doit y avoir une échelle quelque part. Dans mes souvenirs, il y a une échelle quelque part. Peut-être par là. Ah voilà. C'est un boss que tu peux tuer dès le début après les gargouilles. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Oh putain, oui, je me rappelle de cette zone de merde. Oh putain, ça va être infâme. Est-ce qu'il y a du vide? C'est ça la question. Est-ce que je reviens? Ah mais je peux pas revenir en fait. Attends voir. Je vais où là? Ah si, je peux repasser par là. Attendez, je vais revenir quand même au feu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la lanterne. C'est vrai qu'il y a la lanterne. C'est vrai qu'il y a la lanterne. Ouais, mais je vais quand même aller au feu pour les âmes. Est-ce que je peux me TP à ce feu? Ah, j'ai pas l'impression que je puisse... Est-ce que ce feu, on peut se TP ou pas? Parce que du coup, si on peut se TP, c'est pratique. Sinon, tant pis, quoi. Monter la force, encore. Non, tu peux pas t'y TP. Ah, et merde. On va rush. Oh putain. Saloperie. Oh la vache. Attends, je vais pas me... Oh putain, vous êtes sérieux là? Vite, 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 vite. Oh la connerie quoi. Bon, au moins j'ai... Pour les âmes, quoi. Le masque donne des stats ou rend de l'enduit, un truc du genre. Attends, je vais regarder. Le masque du gosse, je crois, mais le masque du père, je sais plus ce que ça fait. On peut pas voir. Non, bah, je sais pas. Je crois que le masque du gosse, il augmentait l'enduit.
Enfin, il faisait remonter l'enduit plus rapidement. Parce que je sais que je l'avais drop le masque du gosse. Et le masque du daron, j'en sais rien. Bon, lanterne. Je crois qu'il y a un feu juste là. Non? Oh la vache. Il me fait peur, j'ai pas envie. Il me semble qu'il y a un feu. Par là, non? Oh la vache. Oh putain. Merde! Vite! Je sais pas où je vais! Je sais pas du tout où je vais. Il me semble qu'il y avait un feu pas très très loin. Ça doit pas du tout être là. Les gars. Oh putain! Non. Il n'y a pas de feu ici. Allez, on va là-dedans. What? Oh putain, what? Ils sont un milliard! Oh, j'ai pas le choix. Oh, j'ai pas le choix. Vite. Bon, si je perds mes âmes, c'est pas très grave. Vas-y, on va ramasser des trucs, au moins. Ah, je suis mort. Bon, c'est pas par là. Bon. 10 000 âmes, c'est pas grave, tant pis. Dans la description, c'est expliqué pour le masque. Fais 2 fois X pour le voir. Ah, ok. Augmente légèrement la charge que l'on peut porter. Ah, mais moi, j'aime bien mon sac à patates pour la tête, quoi. Donc, bon, alors, attends. Oh putain! Ouais, c'est une belle zone de merde. Dans mes souvenirs, il y avait un feu ici. Bah non, j'ai dû halluciner. Bon, c'est chiant parce qu'en fait, j'ai envie de garder la lanterne pour voir clair. Le problème, c'est que pour attaquer les ennemis, j'aimerais bien avoir mon bouclier, quoi. Donc en fait, tu peux pas, quoi. Je sais qu'il y a un feu à un moment. Je sais qu'il y a un feu à un moment. Putain de salope, quoi. Ah ouais, non, mais en plus, le mec, il fait blinde de dégâts, quoi. Bon, ça va. Je l'encule quand même pas mal. En 2 coups. En 2 coups, ils sont dead. Où est le feu, ici, putain? Attends, mais dans mes souvenirs, il y a un feu qui est en contrebas. Putain, ça me gratte l'œil. Il y a un feu en contrebas, mais ça doit pas être là. Ça doit être un peu plus loin. Faut descendre ici. Ah, pas mal. Pas mal du tout. C'est pas ici. T'as un feu, mais c'est plus bas. Nuit blanche pour Sid. Ah non. Ah si, nuit blanche, ouais. Ouais, bah ouais. Non, mais je suis pour l'instant, je suis chaud, hein. Dès que ça va me saouler, je vais arrêter, mais... Ah ouais, mais... Oh non, non, ils sont deux! Non! C'est bien par là, les gars!
Que j'aille pas là pour rien, quoi. RE2 Remake, ouais, j'attends pas grand-chose, moi. Moi, je l'attends même pas, en fait, parce que pour moi, c'est pas un nouveau jeu, donc je m'en branle un peu d'RE2 Remake, quoi. Ça va me faire kiffer de le refaire en lourd HD de ouf, quoi, mais... Honnêtement, c'est... Voilà, sans plus. Honnêtement, sans plus. Oh là 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 là, putain. Pire zone du jeu, hein, vraiment. Ah putain, mais... What? Mais ils sont en tête chercheuse, les bordels! C'est par là, hein, les gars. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Soyez sémites. Faut glisser sur les sarcophages. Ok, ça roule, ça roule. Je vais rusher, hein. Je vais pas me faire chier à tuer les gros cons, là. Avec leurs pinceaux, je vais rusher. Je vais grave rusher. Ah, c'est là. Je m'en souviens. Je suis sûr que c'est là. Non? Yes! Putain, j'ai quand même des souvenirs. Hein. La petite échelle en contrebas, je m'en souviens. Voilà. Bon. Là, ça fait plaise. On est déjà safe, quoi. Tu m'as tué avec ton anecdote de l'élève qui cherche bit sur Google. C'était même pas bit, mec, c'était image de bit. S'ils nous rajoutent des bouts d'histoire à la Rebirth, t'auras vraiment l'impression d'avoir un nouveau jeu. C'est vrai. Non, non, mais ça serait cool, tu vois. Après, vraiment, moi, je l'attends pas, en fait, ce jeu. Je l'attends pas, quoi. De base, même, je m'en foutais un peu, quoi. Enfin, au début, je disais, ouais, c'est cool, machin. Et à force, avec le temps, on entend jamais parler du truc... Enfin voilà, je m'en branle en fait. Mais s'il sort, je vais l'acheter, c'est sûr, et je vais le faire, quoi, clairement. RE2, c'est mon Resident Evil préféré, quoi, donc... Mais voilà, je... On verra bien. Ça va, mon poste? Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Non, je ne suis pas clair. T'attends des jeux pour l'E3? Ouais, évidemment. Évidemment. Attends. Quel trésor? Jeter un œil dans le trou, aller voir un peu ce trésor. Attends, il va me baiser, je suis sûr, non? C'est pas un colossal enculé, lui? Stop, il y a un feu en arrière, pas loin. Bah non, mais je viens d'y aller au feu, là. Attends, est-ce qu'il y a un putain de décalage, ou... Attends, lui, je crois que c'est un fils de pute, non? Il va pas me brain. Si je vais là-haut, il va me pousser dans le vide, non? Comment c'est pas le 3 avec ce combat épique entre le Nemesis et moi? Non, c'est le 2. De mémoire, c'est un bâtard. Ouais, il me semble aussi. Vas-y, je me barre. Oh là 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 là. Allez, traverse le brouillard, tête de cul. J'esquive, putain, mais j'appuie comme un bourrin sur le truc. Non, 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 il y a du vide, là. Oh là 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 là. Mais putain, mais on voit que dalle! Oh là là, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. C'est un FDP dans tous les jeux, Pat. Ok, je m'en rappelle même pas. Hein.
Enfin, si, je me rappelle dans le 1 que c'est un fils de pute. Mais dans les autres Dark Souls, je m'en rappelle pas de l'avoir croisé. Après, comme vous avez pu voir, j'ai quand même une mémoire assez pourrie. Du coup, est-ce que je peux pas le tuer? Il me loot un truc stylé si je le bute, ce fils de pute? Ah, mais là, je vois rien. Là. Le combat, ça va être infâme. Ouais, laisse tomber. Ah ouais, non, j'ai pas envie de test. Mais j'ai... Non, mais j'esquive! J'appuie, ça marche pas, quoi! Putain! Putain, faut aller où? Faut aller où? Oh là 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 là, la zone! Putain, mais la zone, c'est là-dedans? Ah, ça... Putain, c'est peut-être là. Vite. Vite! Non, 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 c'est où? Non, mais sérieusement, comment tu peux t'y retrouver, quoi? Mais comment tu peux t'y retrouver, sérieux? Ah ouais, d'accord, il y a 7000 ennemis, quoi. Ah non, mais c'est du gros délire, là. Là, c'est du gros délire, les mecs. Oui, il est dans le 3. La première fois, il porte l'armure du chevalier oignon. Ah, et carrément. Ok, d'accord. Je me souviens de Katarina dans le 3, mais je me souviens pas que ce soit que c'était un autre mec dedans. Non mais sérieux les mecs, c'est un truc, c'est affreux là. Je me demande en fait si... Si, mais de toute façon je peux le faire en fait, je peux faire... Allez, on appuie direct, voilà. En fait, faut appuyer 2 heures avant, hein, pour que ça fonctionne apparemment. Oh là 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 là, mais putain, mais c'est un... C'est là, non? Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? D'où il sort, putain? Mais non! Putain, bouclier de merde, mais qu'est-ce que je m'en branle? Ah, il y a que dalle ici, putain. Je me suis fait baiser. Non! Oh là! C'est infâme. Bute les chiens. Ouais, non, mais putain, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai la flemme, mec, j'ai envie de rusher. Ah, putain, j'ai envie de rusher. J'ai envie de rusher. J'ai pas envie de faire cette zone sémitement. Ah ouais, j'avoue, je leur fais du dégât, quand même. Ok, 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 ok. Vous avez raison, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement. Ah putain! Désolé, je parle pas, je suis concentré de ouf là. Je sais pas où je dois aller en fait. C'est là, non? Faut suivre les spots bleus, hein, on est d'accord. Hein. Ben non, mais c'est là où j'ai. Les squelettes plus chauds que Sif. Et Pinwheel réuni. Le mob a sauté dans le trou. Les squelettes plus chauds que Sif, ouais, c'est clair. Déjà, tu vois rien, et en plus, c'est un gros labyrinthe. Non, mais grave, c'est n'importe quoi, cette zone, hein, putain.
C'est clair que rien que quand tu vois ça. Putain, il t'attaque deux fois de suite, quoi. Mais quoi? Mais putain, mais quoi? Oh là 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 là. Mais putain, mais la zone, quoi. Quelle zone de pute. J'ai mon bouclier levé, quoi! J'ai mon putain de bouclier levé! Le mec, il m'a déboîté la gueule! Comme si j'avais que dalle! C'est par là? J'ai aucun souvenir de cette zone. Je sais qu'à un moment, il y a des espèces de colonnes vertébrales avec des mains qui t'attaquent. C'est une infamie. Ah ouais, je crois que c'est par là. Mais sinon, j'ai aucun souvenir de cette putain de zone. Franchement. Et il y a un feu dans le coin? Faut refaire tout ça à chaque fois? Oh là 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 là. Au pire, j'ai des humanités pour me soigner. Putain, je sais plus où c'est. Attendez, par là, il y a quoi? Y a rien. Oui, tu as un feu. Ah oui, rassurez-moi, bordel. Bordel à cul, quoi. Parce que là, franchement, c'est infâme, quoi. Les colonnes vertébrales, c'est quand l'autre te pousse dans le trou. T'es arrivé, là, quasiment. Ah, salut, Avem. Attends, mais j'ai plus besoin de la torche à la con. Mais si, 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 il y a des colonnes, là, mec. Sur le teco, là. Attends, je m'en rappelle de ça. Tiens! Bon, ça va, en deux coups, je les déboîte. Oh putain, il tire des flèches en plus. Ah, il me faut un feu, les gars, là. Oh là 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 là, c'est quoi cette zone encore? Filez-moi un feu, bordel à cul. Un putain de feu, bordel. Oh là 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 là! C'est des pinwheels. Là, je me rappelle de cette zone. Le feu, il est là, non? Il est quelque part par là, le feu, il me semble. Attends, lui, je vais me le faire. Tous me les faire d'ailleurs, si j'y arrive. Ah oui, il y a des petits bébés! Il y a des petits bébés squelettes, c'est vrai. Par contre, le feu est dans la zone noire. La zone noire? Elle est où la zone noire? La titanite, pas mal. Les petits bébés, c'est pas des colossaux fils de pute? Je me souviens pas. Dans la zone noire, alors attends, parce que je sais qu'il y a un feu ici. Putain, mais cassez-vous, bande de cons! La zone précédente où tu vois rien. Sérieux? Attends. Faut que je revienne? Vous êtes sérieux, les mecs? Attends, j'étais persuadé qu'il y avait un feu ici. Y a pas de feu ici? Les bébés t'infligent le toxique. Non, le feu est après le boss. Non mais parce que le feu dans la zone noire, comme vous dites, je l'ai déjà eu. C'est celui qui est vers l'échelle, mais il me semble qu'il y a un feu dans cette zone, non?
Je fais comment pour passer là? On va passer, écoutez. Ah mais c'est Nito déjà! Oh, j'ai plus de vie. T'as plus de fiole. Le feu est après le boss. Bon bah on va sûrement crever, il faudra le refaire, c'est pas grave. Je vais peut-être prendre une humanité. Pour me remettre de la vie, peut-être. Ouais, je vais... On va faire ça. On va faire ça. On va se mettre des humanités là. Voilà. Ah là là, mais cassez-vous, bande de cons. Oh putain, what, c'est quoi ce... T'es sérieux, là? Ah ouais, non, mais il est antisémite, là. Ah, d'accord. C'est Sanito, en fait. Mais je croyais que c'était une pédale, en fait, à la base, le gars. D'accord. Bon, bah, j'ai même pas pu le toucher, quoi. T'as un second feu dans la zone où tu vois rien qui est un peu plus proche que celui que tu as. Tu évites un ou deux monstres. Ok, donc là, ok, antisémite land. On va reprendre la ouais, comme ça, ok. Oh lolo, 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 lolo. Enchaîne, bah je pouvais rien faire, mec. Hein. Je pouvais pas taper. J'étais en mode... Grosse victime de pédale, là. Il est où le feu, du coup, les gars? Non, c'est pas par là, putain. What? Putain, j'ai fait une roulade dans un mur, ça. Il y avait un mur illusoire, quoi. D'accord, on va voir où ça emmène. D'accord, bonjour les gars. Ne faites pas attention à ma personne. Je passe. Putain, si c'est un raccourci. Ah, d'accord. Il y a des PD. Allez vous faire foutre, putain. Bon, je crois que c'est une zone de merde, hein, ce qui sert à rien. À part récupérer 2-3 items de merde. Bon, là, je reviens, du coup. C'est ça. J'ai tellement une orientation de merde. Ouais, je reviens, là. Allez. Toi comme ça déjà, c'est enlevé. Attends, lui, faut que je le contre. Qu'est-ce qu'il fait le squelette là? C'est pas par là. Ah, c'est le trou dans lequel Pat me pousse. D'accord. Bah attends, j'en profite pour ramasser les 2-3 merdes là-haut. Des âmes, c'est toujours sympa. Et encore une lanterne de merde. Dont je me branle. Ok. Ok. Bon. Bah du coup, on va remonter. On va remonter. Putain, mais attaque! Le mec, il met des coups de pied, quoi.
Là où il y a le chevalet noir, tu tombes dans un trou, le feu est pas loin. Ça va être compliqué de retrouver, hein. Ah, dans mes souvenirs, c'était des colonnes vertébrales, mais non, en fait, c'est juste des amas de cutards, quoi. Tu sais, comment accéder au DLC? J'ai cru que... Je sais pas, en fait. Je crois... Il n'y a pas un truc vers la... Il y a un truc vers la forteresse de Seine, il me semble. Et il n'y a pas un truc vers l'hydre, derrière l'hydre, là. Ok, ça, c'est le feu de base. On va se reposer au feu. Bon, au moins, on est sûr que c'est pas par là. Bon, moi, j'ai visité un peu. Du coup... Salut, Jojo Akashi. Du coup, le feu, les gars... Putain, mais... Honnêtement, je vois pas du tout, quoi. Il y avait un chevalier noir. Peut-être par là, hein. Oh là là, mais même avec le bouclier élevé, il me déboîte, quoi. Putain. Mais putain! C'est vraiment des connards, eux. Non mais sérieux, il me faut un autre feu, c'est pas possible. Et dans mes souvenirs, il y avait un putain de feu vers les petits bébés de merde, là. Juste avant Nio. Nito. Nio, quoi. Putain, il n'y a pas un feu, là? Putain, c'est ça. Si, on le voit, là. On le voit en contrebas, les mecs. Bah, les couilles, je saute. Ah, bon. Derrière l'hydre. C'est dans la forêt, pas loin de l'hydre. Il n'y a pas un truc avec la forteresse de Seine pour le DLC? Ok, bon, j'ai vu le feu. Je me dis en sautant ça aurait pu passer. Non, c'est pas passé. Dead Space 2. Oh là, mais regardez ça! J'avais mon bouclier levé, les gars! C'est impossible. C'est n'importe quoi. Franchement, ça fait pitié, quoi. Allez, encore une grosse zone de merde. J'ai l'impression qu'on fait que des zones de merde. Comment que ça se fait qu'on peut dire que ce jeu est cool, quoi? Comment que ça se fait qu'on joue à ce jeu et qu'on le trouve génial? Il n'y a que des zones pourries, j'ai l'impression. Pourquoi, en fait, c'est pas juste un boss rush? Il t'enchaîne les boss. Ça serait mieux, quoi, plutôt que de visiter des zones pourries comme ça, dont tout le monde se branle, que personne a envie de visiter parce que c'est trop de la merde. Voilà, et je veux, en fait, je, voilà, et je veux lui... Et voilà, c'est impossible. Mais quoi, il est pas mort, putain! Ah la vache, c'est de la merde. Bon, le feu était là-bas. Comment on y va, putain de merde, quoi. Ça me rate le pif. Oh, je bade et je me prends la flèche dans le cul. Oh, putain, non. Dégage. Oh là 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 là, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Putain, mais quand est-ce qu'on peut les toucher, quoi? C'est impossible, les mecs. Putain, mais c'est vraiment de la grosse merde, quoi. Vas-y, toi, tu m'énerves, je te défonce, fils de pute. Déjà, mais grosse pédale de merde, tiens. Grosse chiasse de cul, là. À chaque fois que je passe, on joue à sa vieille gueule. Colossale merde, va. Mais putain, mais j'esquive! Mais on peut pas les toucher ou quoi? Non mais what the fuck? What the fuck quoi? On peut pas les toucher!
Tout à l'heure, j'ai réussi à les passer. Hein. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je sais pas comment j'ai fait. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La première fois que tu fais la zone, tu arrives bien. Tu meurs. Et t'essayes de retourner là où t'es mort. Bah, tu peux pas. En fait, c'est impossible. Ah ouais, donc du coup, tu vas m'attaquer, toi, c'est ça? Tu veux que je te déboîte, grosse merde? T'es vraiment une grosse pédale, tu sais ça? Vas-y, dégage, quoi. C'est pour tous les gens que t'as tués à travers le monde. Je sais pas où je vais, les mecs. Hein. Faut quand même que vous en rendiez compte. Je sais pas du tout où je vais. Ah bah, je crois que je reviens. Je crois que je reviens. D'accord. J'esquive, enfin c'est pas grave. Hein. Le jeu est codé avec le fion, j'ai l'impression. C'est magnifique quoi. T'esquives, ça marche pas. Vous pouvez aller vous faire foutre, bande de gros fils de pute. Merci beaucoup. C'est là, non? Ah, il est là le feu. Hein. Je suis sûr que c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais c'est tellement de la merde quoi. Retourne en arrière. Mais mec, j'arrive pas à me repérer. C'est impossible de se repérer, je comprends rien. Évidemment, je retourne en arrière. Tout se ressemble. Je peux pas me protéger avec mon bouclier, parce que c'est dans le noir, et je suis obligé d'utiliser la lanterne de merde. Voilà, c'est à chier, quoi, c'est tout. Voilà, je me fais toucher alors que j'esquive, mais enfin, c'est pas grave. Encore une fois, hein. Les mecs savent pas faire un jeu vidéo, quoi. C'est juste aberrant, mais enfin, bon, c'est pas grave. Par là, peut-être. C'est aléatoire, Land. Hein. Je sais pas où je vais, les mecs. Hein. Donc, le feu n'est pas par là. Hein. Bah, je suis mort par là. Ah oui. Donc, c'est pas du tout là, en fait. D'accord. Bah, je vais recrever, je pense. Voilà. Je vous jure que là, je suis à deux doigts. Vraiment, si j'étais pas en live, je pense que j'aurais tout démonté. J'aurais pris un verre, un truc, et je l'aurais éclaté contre le mur. Où je me serais pété la main contre le mur, je sais pas, mais... Là, je reste quand même très très calme et très stoïque, hein. Mais j'ai très très envie de tout démonter, là. Et je peux pas gueuler, parce que mon frère dort et il travaille demain, et voilà, quoi. Suis les lumières. Non mais mec, les lumières, elles sont dans le vide. Ah, l'esquive, elle marche, maintenant. Ok, j'ai pas le droit d'aller par là, pas de problème, je vais pas par là. C'est par là le feu? Ah, 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 il y a peut-être moyen de... Ah non, d'accord, il y a le gros porc de merde qui me tombe dessus, d'accord. Alors, est-ce que c'est par là le feu, les mecs? Ah non, il y a Jean-Jean qui m'attend, bien sagement. Ah non, mais en fait, je crois que je suis en train de repartir. Ouais, je vais vers Nito, là. Alors, c'est peut-être par là? Où est le feu? Où est le feu? Non, non, mais il n'y a pas de feu, les mecs. Hein. Je crois que on a tous halluciné. Il n'y a pas de feu du tout, en fait. J'ai peur de remonter. J'ai peur de descendre. Ah, c'est peut-être là? Non, mais j'y suis déjà allé, là, les mecs. C'est peut-être là. J'en sais rien. Ben oui, non, 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 mais c'est pas là du tout, en fait. C'est pas là du tout. Faut que tu retournes au brouillard. Non, mais mec, le brouillard, il est dissipé depuis 3000 ans, quoi.
Là, je peux pas y retourner, hein. Je vais être obligé de crever. Hein. Ils m'attendent tous, là, ces enculés, là. Mais regarde-moi ces pédales, putain, mais... Vieille chienne, va. Ah, où est le brouillard? C'était là, non? C'est pas là. Oh, putain, lâche-moi. Le brouillard, c'était là, non? Oui, c'était là, je crois. Ou par là? Ah non, c'était peut-être par là le brouillard. Mais non, c'était pas par là le brouillard. Non mais c'est un truc de ouf là les mecs. Hein. Ça rend taré hein, ce jeu de merde. Bon gros jeu de merde là. Je comprends rien. C'était là. Ah ouais, mec, je veux bien que c'était là, mais moi, je ne vois pas le feu, donc je ne peux pas savoir où c'est, en fait. Voilà. Automatiquement, il se passe quelque chose, il y a un problème. Si j'avais un bip-bip ou un détecteur pour me dire où était le feu, mais là, je le vois pas, les gars. C'était là, je peux pas, surtout qu'il y a un décalage d'au moins 30 secondes, les mecs, donc... Alors, le brouillard, c'était... Voilà, j'ai esquivé, c'est pas grave. Je codais avec la bite. Et c'est à gauche. Voilà. Le brouillard, c'était là, j'ai été à gauche. Y a pas de feu. Ça rend fou. Ça rend fou. Je suis plus mort là que devant Ornstein et Smoke, quand même. C'est quand même hallucinant. Hein. Juste pour trouver un feu de merde qui va pas m'aider, parce que ça fait juste 4 pas de plus, quoi. Quel intérêt d'avoir foutu un feu ici? Pourquoi ne pas avoir mis un feu devant Nito? C'est incompréhensible, quoi. Voilà, j'ai esquivé, c'est pas grave. From Software ne sait pas faire de jeu. Alors, le brouillard, c'est ici. Et ensuite, c'est à gauche. Voilà. Voilà, il y a un trou. Voilà, j'y vais. J'y vais. Si j'y arrive, hein, parce que, évidemment, tout le monde veut m'enculer, apparemment. D'accord. Ouais, gogol. Ouais, les gogoles. Ah bah non, c'est pas par là. C'est pas du tout par là. Ouais. Non, non, il y, a le chevalier, là. Ouais. Non, mais c'est pas là, en fait, les gars. Hein. Je le vois, le feu. Il est là-haut. Hein. Alors, on va y aller, comme ça. Descends l'échelle. Quelle échelle? Je comprends rien du tout. Non mais je vous jure que je ne comprends rien ce que vous me dites. Le petit passage où tu as cru que c'était pas le mur de brouillard, il fallait continuer. Pas compris. Tu descends l'échelle. Quelle échelle? Là, il y a une échelle, mais je peux que la monter, mec. Hein. Ou alors je la monte et je la redescends, si tu veux. Tu fais le chemin pour aller au brouillard. Et après le brouillard, il y a un trou où tu dois descendre pour le feu. Le feu sert à rien, Sid, Rush et Bourrin Nito. Ouais, mais non, mec, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, il me faut un feu plus proche. Si je peux skipper au moins 2 fils de pute de squelette de merde, là. Mais vraiment, là, je comprends rien du tout. Je sais pas où c'est. Je comprends pas du tout, en fait. Je dis pas que c'est que vous expliquez mal, hein, loin de là. Mais je comprends pas ce que vous me dites, en fait, donc... Je sais pas. Mais mec, même si t'esquives, en fait, il te touche. C'est un truc de ouf. Putain, mais il est... Genre... Oh. Normalement c'est 2 coups et là ça marche pas quoi. Non mais oh là là. En plus le jeu est codé mais vraiment comme de la merde quoi. C'est aléatoire mais c'est vraiment ça fait pitié hein. C'est hyper compliqué vu qu'on est décalé. Non mais je sais, non mais comme je vous dis c'est pas de votre faute les gars. Vous essayez de m'aider déjà c'est cool. Mais moi je comprends pas quoi. Le feu il est là, je le vois. Il est juste devant moi là. Le brouillard il était ici. Voilà, c'est ça. À partir d'ici. Celle d'après où tu fais demi-tour. Mec, je vois pas d'échelle, en fait. Pour moi, il n'y a pas d'autre échelle, en fait. Reçu les lumières jusqu'à l'échelle
et suit les directs d'Avem, les directives d'Avem. Non, je vais pas aller voir de vidéo, ça va faire tout ramer. Donc alors attends, dites-moi, à partir de là, je fais quoi? Je me barre? Je vais vers la lumière là-haut? Le but, c'est de descendre. J'attends. Je comprends rien, on va rusher. Ah non, j'ai pas le droit, c'est vrai, j'avais oublié. C'est pas par là. Je suis perdu dans ce jeu de pute. Ce jeu de pute. Gros jeu de pute. Ta mère la pute, ta mère la pute. Ta mère daronne des putes. C'est là dont tu parles, hein. Wakata, ensuite. Ensuite. Je suis sûr que c'est là dont tu parles. Sauf que regarde, j'ai qu'un putain de chemin, en fait. Donc ça doit pas être là dont tu parles. T'es bien là. Tu avances sur ta gauche, t'as un chemin qui part sous terre. Y a rien à gauche, putain! Mais ça rend ouf, ça. Y a que dalle à gauche. Y a que dalle. Je vais pas sauter dans le vide. Non mais ça rend fou là. Y a pas de lumière en plus, hein. Je pense que vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Attends, on va se branler un peu là. Putain, mais le décal, c'est impossible à expliquer. Attends, parce que la petite échelle qui descend dans un petit trou, c'est ici, hein. Bon, bah, on va se laisser là, en tout cas, pour cette partie, je pense, parce que ça sert à rien. Ouais, mais là, trop tard, à cause du décalage, j'ai écrit ça quand t'étais encore tout en haut. Non, mais je comprends rien, les mecs. Pour moi, il n'y a qu'une échelle, hein. C'est celle-là et celle du feu. Il n'y a pas d'autre échelle, les gars. Donc c'est pas là, ok. Donc ça sert à rien en fait, finalement. Ah mais ça rend fou, hein. Ça rend fou. Passage à gauche là, à droite je veux dire. Peut-être par là. Non, j'y suis déjà allé ici. Faut que je remonte en fait là. Ils me font trop bader ces chiens. Faut que je remonte là? Faut que j'aille tout droit. Je vais attendre là, si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il faut que j'aille tout droit ou est-ce qu'il faut que j'aille à gauche? Essayez de revenir dans un chemin qui va sous... Non, mais les gars, on est sous terre depuis le début, en fait. Moi, je comprends. En fait, Avem, je suis désolé, mais vraiment, je vois pas du tout de quoi tu parles, quoi. Je vais suivre les lumières, hein. Plus de cette zone, j'ose pas imaginer si de manette en tout droit.
Putain, faut que j'aille là-bas derrière le chien, là, alors. Mais... Oh, ils sont deux! Oh, mais ils sont... Combien? J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ils sont 40, putain! J'essaie de le glitcher, là. Putain. Voilà, on peut les glitcher ici. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va faire ça comme une merde avec tous les chiens de merde, là. Vas-y, viens là. Voilà. La technique de petit zizi. Ah oui, je vais couper. Attends. Je vais me faire lui d'abord. Je crois que c'est par là. Hein. Rassurez-moi que c'est bien par là. Hein. En fait, s'ils faisaient pas autant de dégâts, ça serait cool, mais ils sont affreux, quoi. Mais non, c'est pas là. Non, c'est pas du tout là. Hein. Bon. Eh ben, allez, on fait une pause, on s'arrête là. Désolé, YouTube. Encore une vidéo qui se finit dans les chaussons. Bisous à tous. Et puis, on se dit à bientôt pour la suite de Dark Souls. J'ai hâte de finir cette merde. Allez, bye bye.